Alors, outre les filles voilées, vous rappelez, enfin, vous avez constaté que les salariés de confession musulmane qui portent la barbe suscitent parfois la méfiance de leur employeur. Oui, ça c'est effectivement c'est une tendance relativement récente hein, d'avoir des managers qui, lorsqu'ils ont en particulier des salariés d'origine maghrébine, ils ont cette suspicion sur une potentielle radicalisation parce qu'ils portent la barbe. Moi, je voudrais préciser que la barbe chez bon nombre de musulmans est d'abord, je dirais, portée parce qu'ils sont dans l'imitation du modèle prophétique. Donc, il n'y a pas à voir derrière un salarié musulman forcément une radicalisation potentielle.